Yo la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tous ces moments où Cristiano Ronaldo, aka The God, aka la légende, aka le meilleur joueur du Real de Madrid et de la Juventus de Turin. C'est une question à laquelle on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, on part sur une vidéo dans laquelle on va regarder tous ces moments où Cristiano Ronaldo a fait une grosse performance dans les matchs importants. Je vous dis d'avance, il manque certains buts magnifiques, j'ai envie de dire, comme celui de Cristiano Ronaldo lorsqu'il était au Real de Madrid face à la Juventus de Turin. Je remercie REMC-du-bas sur Twitter, REMS, si je peux dire ça comme ça, j'espère que je n'écorche pas ton nom, qui a publié ses vidéos sur Twitter. Commençons maintenant avec cette frappe du milieu de terrain de Cristiano Ronaldo. À ce moment-là, ils étaient éliminés de la Ligue des Champions. Devinez qui a enfilé la cape du justicier. La vidéo elle est courte, mais quand je vois des vidéos de Cristiano Ronaldo, toujours des frissons. Là, il est encore à Manchester. Oh, mon sac à Manchester, c'est quand même un mec qui prenait les âmes des joueurs, clairement. Unique buteur de la finale. Si c'est pas lui, c'est qui? Si c'est pas CR7, si c'est pas Cristiano, si c'est pas Ronaldo, c'est qui? Je vais pas faire des comparatifs. Mais si CR7, mais CR7 en Ligue des Champions, hein, il prouve. Et pas qu'un peu. Pause. Ce match, après ce match, j'ai dit plus jamais je manque de respect à cet homme. Homme avec un H. Non, t'es fou. Real de Madrid, Wolfsburg. Ce match-là, non, t'es fou. Triplé. Ce match-là, c'était la folie. Et en plus, il l'a refait à la Juventus. Vraiment, ce match contre... Là, je suis ému, j'ai une larme qui coule, mais ce match-là face à Wolfsburg, god damn. Non, sérieusement, c'était une dinguerie ce match. Au nom de Dieu, c'était trop. Quand tu regardes le match, tu es supporter barcelonais, que t'aimes pas CR7, que tout ce que tu veux, tu peux que te plier face à une prestation comme ça. Atlético Madrid, Real Madrid. Bon, une classique, mais il faut la mettre. Finale de Ligue des Champions, s'il marque, il gagne le titre. Je pense que bon nombre de personnes se seraient pissées dessus. Mais pas CR7. Alors ce match, je m'en souviens, j'étais pas petit un peu, mais si c'est pas la manita, c'est quoi? À lui tout seul, l'homme, Cristiano Ronaldo. Après, j'ai pas vu suite, mais je me souviens du match. Il met un coup franc à ras de terre, ça va arriver. Il met un coup franc à ras de terre qui passe au-dessus de gardien et qui tape Neuer. À ce moment, Neuer, il était... c'était pas ce match alors. Finale des champions. Cette finale, ils ont eu du mal, hein. Ils ont eu du mal. Mais l'homme est toujours... Ouais, match difficile, compliqué, mais l'homme est toujours là. Calme. T'es pas content? Tiens. Ça, en plus, j'ai vu ça sur Twitter. T'es pas content? Tiens, doublé. Tu sais pas l'homme, c'est qui? Tu sais pas l'homme, c'est qui? Mouf. L'athlète, l'homme. Non. Faut avouer, hein. Encore de CR7 là, hein. Normal, hein. Mais cette soirée là, 200 balles. Attends, j'avais mis 100 balles sur. Attends, j'ai mis 100 balles sur CR7 normal. 200 balles sur CR7 doublé, je crois. CR7 doublé, il avait 6 de côte. Non, j'avais mis 100. Non, je suis un menteur. J'ai mis 100 balles sur CR7 normal, 100 balles sur CR7 doublé. Je t'ai fait 6. 800 balles à une soirée. Grâce à elle, CR7 il m'a mis bien pendant la Ligue des Champions. Pas pourquoi j'ai une orange. CR7 il m'a. Ouais. CR7 il m'a mis bien pendant la Ligue des Champions. Hein. Non. Franchement, j'avais des frissons. Comme pour les derniers matchs en Ligue des Champions, là. Liverpool ou Tottenham. Franchement, tiens. Non, c'était une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie, ce match-là. Oh là 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 là. Il vient. Et en plus, c'est bien ce qu'il a dit. Ça va être une soirée magnifique. Triplé. Il avait ramené toute sa famille. Et en plus, quand il a fait ça, toute le Juventus Stadium a fait Zouuuu. T'es bête ou quoi? On arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires les moments qui t'ont le plus marqué dans cette vidéo par rapport à CR7. Ou dis-moi des moments qui ne sont pas apparus tout simplement dans cette vidéo. Mais pour moi, il faut respecter CR7 quand même. Parce que on voit pas assez ce qu'il fait dans le football. Messi est très bon. Il est à la même hauteur que CR7. C'est évident. Mais quand Messi avait limite éliminé Liverpool en demi-finale aller de la Ligue des Champions, où j'avoue, il a mis un coup franc, mais mouf. Je suis pour Liverpool, hein. J'étais au taf, j'étais comme ça. J'étais bouleversé, il avait brisé mon cœur. Faut avouer, hein. Messi, il avait fait les choses. Mais t'entends, ouais. Comparez pas Messi à CR7, pourave, CR7, si, CR7.
CR7, c'est 3 ligues des champions. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ligues des champions d'affilée. Chaque année, avec des performances stratosphériques en ligue des champions. Et clairement, CR7 et Messi en ligue des champions, ça peut pas se comparer. Vraiment, ça peut pas se comparer. Mais c'était fun de faire une vidéo comme ça. Franchement, je te remercie encore les mecs de Twitter, si tu regardes ma vidéo, bien sûr. Que pour la vidéo que t'as faite. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, on atteint bientôt la barre des 5000 abonnés. Laissez un like, partagez, surtout partagez. Comme ça, on touche un maximum de personnes et la communauté, elle s'agrandit. Elle grow up. Je sais pas si c'est les bons mots. Elle grow up. Enfin, j'utilise des mots en anglais, je sais même pas ce que signifie. Mais c'est... Enfin, bref, je vous aime. J'espère que vous m'aimez aussi. Ciao.